Mais Dr Sow, depuis l'album bi ak léegi fan nga tollo ko sa promotion bala ñuy continuer. Waaw maa ngi xam rek album bi aussi tam faar xam nga production donc xam nga li mën a def mooy nañ ñu carrément communication moo gën a seet loolu si kii bi léegi dañ koy def step by step step on a eu l'occasion de faire Il me semble que ça n'a pas été difficile pour nous, pour nous faire cette vidéo. Waaw, comme ni ko tous bi waxe rek, Bakalama ñom dañu polyvalent. Ñom dañuy faire fait traditionnel, mais ñu fait moderne. Ça amu ci kenn ko xamna ñom dafa spécialisé ci top. Donc du coup, sama sambe nek 100% traditionnel parce que certes amna rythme, amna tamit. Mais à la base, il faut fort. Donc ñom du coup dañuy ñew jëm xol côté original après day top wala ko rek mu nek comme li may jëwul devant nous manam à la semaine avec le fait ce n'est carrément ce que je vais faire quoi. Après, comme je vais coller quoi, je vais Al-Plan. Après, easy quoi. Je vais faire un dégât. Tu vois, tu vas comprendre. Un dégât. Voilà. Ok. Donc, Dr Sow, je voulais dire aussi, parce que l'album est depuis que je viens de le dire, il y a une perspective, il y a une qualité. Mais, est-ce que l'album est venu dans le genre? Waaw sincèrement nag ah bu fekkee ko da jaay rek ni ma génne moom jaay la certes génne moom lu bëri quoi ma génne si sa génne 500 ko tey génn jaay ko ak mais alhamdulillah parce que ak Mauritanie lépp sama gars yi ñoo ko yóbbu quoi. Mais nekkul loo répertorié foofu noonu. Non ay samay xarit sama ay sœur sama ay frère jël muy benn loo yóbbu fii yóbbu ko yóbbu fee. Mais am na si yoo xam ne da si jàpp quoi dafa jënd en deux semaines. Alors moom génne maa koy jaay 3000 mais am na ñu koy jëlee 10000 ñu jëlee 5000 ñu jëlee parce que am nañu fi marché bi gis moom dox 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 mais li ëpp solo mooy nga am benn visibilité ñu xam ni ngay def nga marqué sa entente après jéem a avancé. Jéem a avancé fexe liggéey côté live bi surtout parce que côté live bi vraiment ci loolu moom. Moussa Rakhou Diouf maa ngi liggéey ak benn gars bi ñu woowee Gonga. Dafa ñaari sonti album bi quoi ñu fait de l'acoustique. Ñu boole si ñaar si rap la l'acoustique de l'acoustique. Waaw créé leen dara dañu fekk rap fekk sa. Waaw bu la neexee xam nga dafa métti bu la neexee créé wuñ dara mais en tout cas rek jël rap ak acoustique boole ko def ko rap acoustique quoi di jouer di ko jouer en live ak bande quoi. Pat bi guitare di ko sax fekk. On a suivi parce que benn soirée Saint Valentin au niveau du Paris Dakar la ko message. Macha Allah ni ñu. Rap rek Saint Valentin soirée Saint Valentin. Dafa di bëgg tegal ma sax. Oui. Yavait do réel quoi. Yo yo sum do réel yo. Mais dama da nga may fek. May bandi lover. Sum yo fek quoi. Xol ñun xaat ëndëk ak lañu dëgg. Man ak lo ëndëk ak la sun. Ok donc ñu ci am solo gars ñi xam ne rappeurs yi sax ay nit la ñaar ñu ay am à la place du cœur il y a pas une pierre hein. Dañu am xol di nekk ay nit di bëggante n' est ce pas. Donc ñu ci am solo trop gars yi fexe ñu pour ñuy invité rappeurs yi sax ci ay soirée Saint Valentin parce que
pour la plupart xam nga bu ñu invité Assane Boubou lañu invité mo wayen Saint Valentin sinon ay bon yenn way kat yi jot di way mbeugël quoi xam nga parce que il faut peur pour ñom mu ñu wara wax ci mbeugël sax dañuy préférer né gangster love xam nga loolu mu ñu ñak quoi xam nga donc dina ci am solo donc ami téléspectateur Walt TV donc ñu va appeler donc c'est une émission spéciale nous sommes au fin fond de la Casa di Mansa encore une fois. Donc à Tionk et Sil, bien sûr, n'est-ce pas, donc Tionk et Sil, c'est le tour de Kivu, n'est-ce pas. Donc mon nek de Kiba Khamantiri, une spécialité Djola, mon fils nek, bon fini, ay, tchèpou am doutir, ak wa mango mom, machallah, n'est-ce pas, donc tchèpou am doutir, ak bisap, ak kani, mom le fin tchop, mais dafa nek fa, machallah. Docteur Soum, diga pou nga joge Dakar, nyou bo fi, fek fi ay hypocrite. Après naka nga dundé lolou yow ba sax yalla parce que amna ci gëna neex moy amba tay ji ko rek ben fay ba nga xamné ñepp xamal neex rek ya isu ñu gis sa vidéo ben yoon la neex rek donc yu goor dañu rek bu yom ko bo né man ma woy di rek ah buru gala ci ko am pass après amna ñoom la ñu ak da ci ngi travail amna amna ci ay ko ko ñu ngi gën gaay nek sama ci ko sét léne dañu gaay def ragé sama no il est hyper fort waaw say ma sha Allah talent il est hyper fort mais après le courant est passé Focus, focus. Ok, donc amis téléspectateurs de Walfou TV, on est là avec Monique Fontenay, donc de la France, donc qui a fait tout ce déplacement, donc et toi donc d'assister à ce grand festival. Et donc Doutignac, n'est-ce pas, donc on vous le rappelle une fois, donc on en est à la 5e édition. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ok, donc est-ce qu'on peut savoir la raison de votre présence et le déplacement de la France jusqu'au Sénégal et ici même au fin fond du Sénégal, en Casamance? Alors, pour moi, c'est la deuxième fois que je viens à Tionk et Sil. J'étais déjà là lors de la précédente édition pour une première prise de contact, on va dire, en même temps que Wagan Gay, qui avait animé donc, les ateliers de batik avec les femmes. Voilà. Donc, c'est la deuxième année que je viens et je viens cette fois-ci avec un groupe des ateliers du Vau. Okay. Voilà. Et on vient dans le cadre d'un échange. Hein, on a signé une convention de partenariat avec la compagnie Bacalama. Voilà. Et on vient ici pour un échange culturel. Participer évidemment au festival, mais aussi
prendre le pouls, on va dire, de la société civile, voir comment fonctionnent les écoles, les lobbies, etc. Et faire, on va dire, le pendant avec la petite commune dans laquelle est basée les ateliers du coup, une petite commune qui s'appelle Martigné-Briand, en Maine-et-Loire. Et on, dans deux ans, on reviendra. On a fait des petits reportages ici. Dans deux ans, on reviendra avec des photos, des petits reportages de ce qui se passe à Martigné-Briand pour échanger. Ok. Donc là, je me dis automatiquement que vous êtes quelque part dans l'obligation d'apprendre un tout petit peu à vous exprimer avec ces gens qui sont pour la plupart des Djolas. Est-ce que vous savez parler Djolas? Alors, je sais un tout petit peu parler Djola. Kasumaï Kep. Katifoué. Ah non, alors ça va être trop pour moi. Moi, okay. Je sais. Papa, dis-le-y, nous d'abord. D'accord, merci. Dis-le, nous, les téléspectateurs, Wal Fadjiri, va pouvoir vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Ousmane Dieyou. Un ancien gendarme à la retraite. Dès quand j'avais pris ma retraite, je suis revenu directement à Tchokessi. Donc vraiment je vous rends votre salut, vraiment c'est une nouvelle, vraiment ça nous a beaucoup ça nous a rendu ça nous a laissé un grand plaisir, un grand bonheur. Donc Bakalama, on peut pas dire quelque chose de mal sur Bakalama. Okay. Là, mon grand frère était directeur artistique de Bakalama. Okay. Avant le vieux là. Ok. Les gens voulaient nous expliquer nous, Tchonkessil, Tourou Dekubi, Lanlay Teki, et Tourou Dekubi Fumdjogé, pour expliquer un tout petit peu de l'histoire de Dekubi. D'accord. Tchonkessil, nous venons de, surtout de l'Égypte. On a transité vers la Guinée, Conakry. De la Guinée-Conakry, on est venu vers la Guinée-Bissau. De Bissau, c'est là-bas qu'on s'est séparés. On a traversé le fleuve Casamance. On a parachuté à Afunyam. D'Afunyam, maintenant, comme nous sommes des cultivateurs, comme nous disait notre papa, il disait que vraiment nous sommes des paysans. On cherche beaucoup, on aime beaucoup cultiver. Donc, on a parachuté par Afunyam et puis on a prolongé le long de la rivière là. On aime la rivière et puis des endroits humides pour cultiver. Le Touba nous a trouvé vers Elana, un village qui se trouve à quelques kilomètres de Tchonkessil, en train de préparer. Là, vous savez, Tchonkessil, le nom Tchonkessil, c'est-à-dire Djonkon, Ngatog. Le Touba l'a trouvé en train de préparer du riz. Il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit, Tchongu Benissi. Tchongu Benissi. Mangi Djonkon Matog. Du Tog, ok. Bon, et puis, je disais à. Et puis, il a écrit, Tchong Essil. Il a déjà suivi jusqu'à là. Il a trouvé déjà des gars qui ont déjà parqué quelques vieillards. C'est là où le nom Tchonkessil est passé. C'est pourquoi nos collègues d'Afunyam nous disent de Djonkon, Ngen Tog. Et puis la particularité du village, ce sont des guéris. Focus. Ok, donc, ladies and gentlemen. Amis téléspectateurs de Walfou TV, j'espère que donc, vous avez bien suivi donc, les explications donc, du papa, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, the time is now, I'm telling you brothers and sisters, the time is really now for you to check it out. Thank you.
Innovation. Bye.
I'm not